Aloha, belle âme de la terre, des rivières et des océans. Je suis super heureuse de faire ce partage que je m'apprête à te faire. Grande ouverture des plans, des dimensions à quoi dans ton cœur, jusque dans tes pieds. C'est parti pour une petite histoire, un petit partage que j'ai vraiment envie d'aller déposer dans ton cœur. On prend une petite respiration bleue avant d'enclencher l'histoire. Indagayana yatamalayana yanaya kalaya tamareleyene mayana yauna undekena yana. J'avais envie de parler de la force des alliances des mondes, de la richesse de l'alliance du côté scientifique et du côté non tangible. Il y a quelques jours, on a eu la chance d'aller en voyage sur un petit bateau avec un scientifique, quelqu'un qui a son PhD, son doctorat d'observation des cétacés. Et cette journée était tellement fabuleuse que j'ai envie de te la partager tout droit dans ton cœur et dans toutes tes cellules. Indagayana yatalaya. Donc en fait, quand on a démarré l'expédition, en immédiateté, il y avait déjà ce contact avec les montagnes, les fréquences en fait de la Barra California, qui est un vrai sanctuaire, refuge marin en fait pour les cétacés ici, ce qui s'y trouve comme marine life, est juste sans mots de beauté, quoi. Et en démarrant l'expédition, en fait, on a été tout de suite rencontrés par une dizaine, centaine, ouais, il y en avait plein partout, des mobulas, des raies, des grandes raies, et un lion des mers qu'on ne s'attendait pas du tout à croiser là, en fait. Comme quoi, quand on ne s'y attend pas, c'est là que des surprises émanent. Et donc, on a une opportunité, une première opportunité de se mettre à l'eau tout de suite avec eux, enfin, surtout dans le bain des raies. Et en remontant sur le bateau quelques minutes plus tard, en fait, on va sur le site où les dauphins étaient. Et c'était tout simplement magique, en fait, de voir que le scientifique Lenny nous dit comme ça, bon là, it's the hunting time, donc ils sont en train de chasser pour se nourrir, donc c'est the feeding time, c'est le moment vraiment où ils mangent, ils se nourrissent et tout ça. Et nous, on commence les champs, on commence à se connecter à l'eau, à bénir l'eau comme depuis le début du voyage. Et en fait, il y avait une demande de notre part de est-ce qu'on peut se mettre à l'eau avec eux? Et le guide nous répond que ben non, parce qu'en fait, là, c'est un moment où ils sont en train de se nourrir, donc ils n'en auront rien à faire de notre présence et que voilà, ils seront occupés à autre chose. Et donc, on se met à chanter pour eux, on fait circuler l'amour dans notre cœur. Et d'ailleurs, c'est assez comique parce que juste avant qu'ils apparaissent dans l'océan, mon intuition m'avait dit de bouger mes fesses à l'avant du bateau, à la pointe du bateau. Et je n'étais pas à la pointe du bateau depuis 2 secondes que on commence à entendre pshou, pshou, vous savez, cette respiration des dauphins qui. Et donc en activant les chants et en laissant venir les codes, en commençant à leur parler, il y a Lenny, le guide, qui commence à lui dire, oh ben c'est incroyable en fait, d'une manière inexplicable. Là maintenant, il semblerait que ben qui paye attention, quoi, qu'ils en ont quelque chose à faire de notre présence et que finalement, apparemment, ils ont envie d'interagir avec nous.
et donc qu'on peut aller à l'eau avec eux, quoi. Et nous, il y a eu vraiment cet immense sourire de toutes ces fois répétitions, de ces personnes qui sont tellement habituées de manière peut-être plus tangible et intellectuelle avec le monde de l'eau, qui nous parlent un peu toujours de la même chose, un peu de chance, de synchronicité, enfin de... Et il y a un grand sourire en fait dans la connaissance de cette reliance, de cette connexion qui est déposée, portée dans nos cœurs. Et donc, on se retrouve avec les dauphins vraiment en présence et en connexion autour du bateau. Et puis, on va à l'eau, du coup, on a le droit d'y aller. Et puis, tout de suite, en fait, on se prend la main avec mon ami et on va vraiment dans une direction précise où on sent que nos cœurs pulsent. Et on nage jusque-là et c'était intéressant parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on nageait dans des eaux vraiment très très shallow, très très opaques. La visibilité ici pour le moment avec les eaux très froides remplies d'algues, etc., sont vraiment très très opaques. Et donc c'était vraiment une suite de l'initiation que j'avais reçue, que je vais parler dans une vidéo qui s'appellera In Quinto Sol. Voilà, sur l'initiation d'avancer dans le noir. Et donc, il y avait vraiment ce, ben oui, d'oser avancer dans le noir, même quand on ne voit pas très très loin. Et en fait, très rapidement, on a eu deux grands maîtres dauphins qui sont venus spiraler autour de nous, mais à 3 cm, quoi. Il y avait vraiment... Moi, je retenais mes mains, je mettais mes mains sur mon cœur pour me retenir de les toucher par pur respect en fait de tout ce que j'ai appris notamment à l'île de la Réunion dans les approches respectueuses et passives et voilà, il y a eu vraiment cette grande danse qui a pu avoir lieu avec eux et cette communication en fait parce qu'il y a vraiment un dialogue magnifique qui s'installe vraiment d'une manière très intime finalement. Et quand on est revenu sur le bateau, c'était juste magnifique de voir ce guide tellement ouvert de cœur, en fait. Moi, ça a vraiment touché mon cœur d'une manière énorme. De voir que la science qui s'ouvre au non tangible, au non rationnel, c'est un cadeau d'alliance. C'était d'une beauté, mais pure. Parce qu'on alliait vraiment nos forces. Et c'était beau de voir quand il nous a dit waouh, c'est magique, en fait. Enfin, vous pouvez revenir quand vous voulez sur le bateau, parce qu'en fait, du coup, on peut les observer encore plus, quoi. Parce que leur présence est tellement à proximité et dure dans le temps que ben, pour eux, prendre des photos, les analyser, etc., pour les répertorier, les recenser, c'est. C'était vraiment très très enrichissant pour eux, quoi. Et bref, quoi, grand moment de gratitude, grand moment de gratitude, et surtout quand il me dit, non mais je sais, j'ai une amie comme vous, qui a aussi cette grande connexion, et moi, vous savez, j'y crois. Je ne peux que y croire. Et c'était vraiment beau. C'était vraiment beau en termes d'union des mondes. Moi, les dauphins m'amènent toujours vraiment ça, cette union des mondes. Indagayana yatala yamaka in oyanahi. Voilà, je voulais déposer ça. Dans ton cœur, que ces mots soient des graines plantées pour tous les rendez-vous dans le bleu qui puissent t'attendre un jour d'une manière ou d'une autre. Puisse cette vidéo déployer, éveiller, pétiller le souvenir de ta connexion au peuple. À quoi?
que l'humain se souvienne. Que de la forme, hein, c'est assez, nous prenons la forme humaine. Indagalayana. On porte dans notre cœur vraiment un enjeu vibratoire identique. L'élévation fréquentielle vibratoire de la Terre, du monde, dans notre cœur. Quand on regarde les dauphins, on a cet impact, cet effet immédiat sur les eaux que nous sommes, hein, car nous sommes faits d'eau. Je vous invite dans cette respiration à sentir leur présence, à sentir votre propre version aquatique, à sentir ces grands appels dans le bleu, cette importance de souvenir des champs sur nos corps, le bien-être inconsidérable, indéniable. Que ça procure. Et c'était magique de recevoir leur son d'une manière aussi proche, parce que quand ils sont à 3 cm comme ça, c'est comme s'il y avait un effet machine à laver, il y a une secousse à tout partout sur le corps. Et c'était juste magique de sentir cette auto-réponse, enfin, ce dialogue. Je vous le souhaite de tout mon cœur un jour, si ça vous appelle. Prenez soin de votre pétillance, prenez soin de votre élan. Ne vous retenez jamais d'aimer. Ne vous retenez jamais de faire circuler l'amour qui est dans votre cœur. Car nous portons naturellement. Prenez soin de vous. Alors.